toi. Tu, ça va? Bien. Avec ça, mon hippo, tu vas marquer noir. Je crois que c'est la même patrouille qui m'a arrêté il y a une semaine. Pas mal hein. Pas mal hein. Comme Pierre Comte. Ouais. Pas mal. Identique. Allez, focus sur ce qu'on fait. Allez, bien focus, bien focus. Allez, oui, oui. Allez, on fait les solides, choses, hein. Dès les premiers ballons, hein. Tout simple. Il y en a qui est dans le dur, on le relève, personne n'a tête sous l'eau, personne, hein. On n'emmène personne dessous, hein. Allez, on sort les mecs. Le pylône, c'est nous. Le pylône, c'était quoi? C'était nos mains. Et jusqu'à 2023, jusqu'à la fin, on doit être comme ça, ok? Et ça, ça doit tenir aussi sur ce match-là, ok? On doit tout donner, il n'y a pas de regret. Pensez à vos familles, pensez à vos amis, pensez aux joueurs qui ne peuvent pas jouer. Pensez aux gamins qui sont là, aux clubs, aux bénévoles, tout cela. On doit le faire pour eux. Personne ne doit tricher aujourd'hui, personne. Même ceux qui sont sur le côté, celui qui ne rentre pas, il doit apporter pour tout le monde. Tout le monde, il n'y en a pas un qui lâche, ok les mecs? Ouais. Anthony Ferron, Julien Coisnard qui revient dans la défense centrale. Axel Fluchet sera latéral droit avec Hippolyte Boisvenel sur le côté gauche. Au milieu, Zahel Nzigou, Dorian Charlier et Lucas Boudonnet. Devant, Théo Ebahi, Arthur Dallois le buteur et Anas Lorabet. Voilà pour le 11 virois. Le coup d'envoi sera donné par le Stade Malherbe de Caen. C'est parti. Il est important de s'imposer pour aller rencontrer le FC Nantes, que ce soit pour le Stade Malherbe de Caen ou pour l'AS Virois. Et d'Anthony Mandrea, c'est pas très rapidement, Hugo. Ouais, complètement. Alors, depuis le début du match, le Stade Malherbe a tendance à mettre des temps de possession. Et là, on est parti sur une contre-attaque et nouvelle contre-attaque. Ouais, nouvelle contre-attaque de Lorabet qui est rentré dans la surface de réparation. Et monsieur Lolo qui ne dit rien sur cette éventuelle faute sur Anas Lorabet. Allez, Dorian Charlier au corner. Et pourquoi pas? Et ça sera finalement renvoyé, c'est pas fini avec Lucas Boudonnet. Dorian Charlier, la patte gauche et la tête. Oh, cette tête qui a fini juste à côté du but de Mandrea. Elle était signée Théo Ebahi. Et
Allez, le ballon vient encore quelques instants. Non, même pas Monsieur Leleu qui renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 2-0 pour les visiteurs dans leur entre. Et on attendait Sahel Nzigou. Tout tranquille. Charlier qui va pouvoir réengager cette deuxième partie avec un long ballon. Le renvoi virois avec Lucas Boudonnet. Hippolyte Boisvenel qui est passé. Passé un premier rideau, qui cherche à passer un deuxième rideau, voire un troisième rideau. Et il aura fallu l'intervention illicite de Brahim Traoré pour arrêter le latéral gauche virois. SND. Oh, attention, parce que la SND, il va prendre beaucoup de vitesse face à Kosnar. SND et le premier arrêt finalement de la partie de Berthoum. Et celui-ci, il est important parce qu'il laisse encore son équipe dans le match. C'est vrai que deux apparitions. Attention à ce ballon qui peut être très dangereux avec Kieremé. Il est passé une première fois, une deuxième fois, il va pouvoir frapper. Et Berthoum qui fait encore l'arrêt très important. Attention au deuxième ballon. Puisque il les envoie pour le moment, évidemment, en 32e de finale. Mais c'est loin d'être terminé. Et notamment avec Epaï qui va centré mais contré par la défense canaise. Est-ce qu'il aurait pas dû centrer un peu plus en retrait côté? Allez, ce corner, on approche vraiment de la fin de ce match. Ce corner joué en deux temps avec Jesse Demengue et Johan Cour. Johan Cour, le voilà à l'entrée de la surface de réparation. Le bon centre, cette reprise de Diani. On est vraiment dans les toutes dernières secondes de ce huitième tour de Coupe de France. Et c'est terminé. Monsieur Leleu qui siffle les trois coups pour mettre un terme à cette bonne série de l'AS Virois qui ne se sera pas imposée face aux grands frères du Stade Malherbe. Ah ouais, ils nous ont pris très au sérieux et ça fait voir aussi que Vire peut faire peur, donc même pour une équipe de Ligue 2, donc tant mieux, ils nous ont pris au sérieux, nous ça nous a aussi fait voir ce qui est le niveau. Comme j'ai dit, il y a un monde d'écart. Quels images? Moi, les 5 premières minutes, elles ne sont pas simples, parce que bon, déjà le terrain est assez grand, l'environnement est différent. Mais au final, une fois les 5 minutes passées, on sent qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. Il me semble qu'il y avait 4800, je crois, c'est ça. Donc voilà, c'est un regret de ne pas l'avoir joué à Pierrefonds, mais jouer dans un stade comme ça pour un joueur amateur devant 4800 personnes, que demander de mieux, honnêtement. C'est magnifique. Ça, le groupe là aujourd'hui, il est lié à vie avec ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète souvent, mais j'ai la phrase de Deschamps qui me revient en tête en 2018 et qui leur dit cette Coupe du Monde là, elle vous lie à vie. Et bah nous, ce parcours-là, ce moment où on a vécu ensemble à Dornano, il est lié à vie. Demain, il y en a qui prendront d'autres portes. Et ça, on s'en rappellera toute notre vie en disant, bah ouais, on se rappellera que le 8e tour, on l'a joué à Dornano devant 4800 personnes et contre une équipe de camp qui nous a pris très au sérieux. Compagnie, pour conclure cette belle soirée, ce que je disais tout à l'heure, forcément une aventure en Coupe de France, lorsqu'elle s'arrête, on est toujours un petit peu amer, mais... On sait en s'inscrivant dans cette compétition qu'on ne la gagnera pas et si le parcours devait s'arrêter un jour, je suis fier en tout cas qu'il se soit arrêté ici au stade Michel Dornano contre nos amis du stade Malherbe de Caen. On accompagne depuis plusieurs saisons maintenant et nos joueurs que je voudrais qu'on applaudisse s'il vous plaît ce soir. Bravo les garçons, vous nous avez rendu fiers évidemment, cette aventure comme je vous le dis depuis le début, c'est à vous qu'on la doit évidemment. Maintenant, et nous, dirigeants de l'AS Virois, nous ne l'oublierons pas.
c'est la première fois évidemment dans l'histoire du club qu'on a mis l'AS Virois ici au stade Michel Dornano, et croyez-en bien, je suis évidemment très fier de ça. Voilà, un grand merci à toutes et tous.